Il s'agit d'une petite fille qui se promène la main dans la main avec son papa dans une région montagneuse. Imaginez les décors, avec ces montagnes qui s'élèvent si majestueusement dans le ciel, de la verdure tout autour qui va à perte de vue, qui à l'horizon se détache d'un ciel tout bleu avec des nuages tout blancs. Vous savez, c'est tellement magnifique que la petite tombe sous le charme de la beauté de la nature. Et ne pouvant plus se contenir, elle crie « C'est fantastique !» Et par surprise, elle écoute dans le montagne « C'est fantastique !» Très étonnée, parce que c'est la première fois, elle se tourne vers son papa avec un regard interrogatoire, mais celui-ci ne lui dit rien. Alors notre petite amie continue « Hé oh, qui es-tu ?» Et dans le montagne « Hé oh, qui es-tu ? » « Non, toi d'abord !»« Non, toi d'abord !» Quand on la retourne la question, le chiffon a un tout petit peu son petit cœur. Mais aussi elle se reproche, de toute évidence, c'est elle qui a commencé. Alors elle s'est refroidie et cette fois-ci elle dit « Désolé, pardonne-moi !» Et dans le montagne « Désolé, pardonne-moi !» Et finalement elle finit par dire « Je t'aime !» Et dans le bois « Je t'aime !» Ne pouvant plus, elle se tourne vers son père et lui dit « Papa, je n'en peux plus, je suis perdu. Dis-moi, c'est quoi cette voix qui vient après moi ?» Alors son père, tout calmement, lui dit « Ma fille, les hommes l'appellent Echo, mais moi, je l'appelle la vie. Car, souviens-toi toujours, ma chérie, la vie te donne ce que tu lui donnes. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. » On raconte que dans un village vivaient six aveugles qui étaient grands amis. Nos amis, ces aveugles, ne pouvant imaginer à quoi ressemblait un éléphant, ils n'étaient jamais entrés en contact avec le pachyderme. Un jour, ils prirent la décision de se rendre au zoo. Bien que nous ne pouvons voir l'animal, mais nous pouvons le toucher pour en déduire la forme, c'est la montée l'un d'eux. Le jour arriva vite, excités, nos amis se rendirent au zoo. Le premier s'avança et toucha la défense de l'animal. Ce pointu et lisse, l'éléphant, c'est comme une lance. Le deuxième vint, avec ses deux mains, il entoura la trompe de l'animal. À son tour, il crut que le serpent était plutôt comme un grand serpent. Le troisième vint par derrière, se saisit de la queue de l'animal et s'exclamant en lui, la vache, l'éléphant, c'est juste comme un fouet. Le quatrième frôla le genou de la bête et lui crut que l'éléphant était plutôt comme un tronc d'arbre. Le cinquième toucha le ventre de l'animal à son tour. Il crut que l'éléphant était plutôt comme un grand mur. Le sixième, le dernier, vint. Il toucha les oreilles de l'éléphant et s'est dit en lui, « Mon Dieu, l'éléphant, c'est comme un grand éventail. » Sitôt arrivé à la maison qu'il se mira à discuter, à discuter vivement. Le premier disait, « L'éléphant est comme une lance. » Et le deuxième, « Tu n'as pas bien touché, je vois. Moi, je touchais de mes deux mains. L'éléphant, c'est plutôt comme un grand serpent. » Et le troisième, « Manque de révélation. Moi, je touchais l'animal. L'éléphant, c'est plutôt comme un grand mur. » Et il arriva, pendant qu'il discutait, qu'un sage passa par là. Les ayant entendus, il leur calma en ces mots. « Mes amis, chacun de vous a à la fois raison et tort à la fois. Vous avez raison en détaillant la partie de l'éléphant que vous avez touchée. Mais seulement vous avez tort en voulant limiter l'éléphant par juste ce que vous avez touché. Car l'éléphant, c'est l'ensemble de chacune des parties que chacun de vous a touchées. » Je me demande, ne sommes-nous pas comme ces aveugles? Disputes et querelles. Jésus est déjà venu. Non, il n'est pas venu. Les autres, nous sommes dans le millénium. Nous attendons le millénium. Le nom nouveau de Jésus. La polygamie. Et quoi encore? Mais écoutez le sage nous dire. Chacun de vous a à la fois raison et tort. Vous avez raison en détaillant la partie du message que vous avez touché.
Mais seulement vous avez tort en voulant limiter le message par juste ce que vous avez touché. Car le message, c'est l'ensemble de chacune des parties que chacun de vous a touché. Salut, je suis Sir Joël Ngoï de Kisangani, artiste conteur chansonnier. Je serai très heureux de partager le petit don que Dieu a mis en moi. Si vous pouvez m'appeler et m'écrire par l'adresse qui est affichée à votre écran. Une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse.